Tata y laisse à désirer, mais tu feras l'affaire. Nous avons besoin de mercenaires pour notre offensive contre les Athéniens. Tu veux rejoindre nos rangs ? Eh bien, ouais. Je partagerai votre victoire et le butin. Reste en vie jusqu'à la fin de la bataille et tu toucheras ton dû, Mystios. Et hop. Salut à tous. C'est NeroGame. Et on commence direct avec une conquête. Je l'ai débloqué pendant que je foutais le bordel chez Phokis. Non, Phokis, donc voilà. J'avais le choix entre rejoindre les Athéniens ou les autres, les Spartiates. Ce que j'ai fait, parce que la récompense était surtout beaucoup plus intéressante, c'était une conquête. C'était surtout parce que c'était une conquête. Si ça aurait été Athènes qui faisait la conquête. Oh attends, je dois tuer le capitaine ennemi. Léandros. Putain, Léandros, t'es de la merde. Merde. Ouais, en fait, j'ai voulu un petit peu trop les défoncer. Sauf que... Voilà. Ils m'ont dit, non mais oh, t'as cru quoi là hein? T'as cru que tu pouvais nous défoncer comme ça? Et les conquêtes sont plus difficiles à faire. Mais bon. Ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. On doit les défoncer de toute façon. Il n'y a pas d'autre alternative. Tu as l'air en état de te battre. Si tu cherches une belle mort, rejoins les Athéniens. Mais si tu veux la gloire, choisis une véritable armée. Je ne cherche ni la mort ni la gloire, Spartiate. Seulement des drachmes. Ne t'en fais pas. Nous payons très bien ceux qui nous aident. Ceux qui survivent, en tout cas. Ouais, ouais, je vais le buter leur chef, mais voilà, tu vois. Oh la vache, l'attaque surprise! Oh là là! Alors, dis-moi ce que tu sais sur la statue de Zeus. Son grand foudre était prêt à châtier les Képhaloniens en contrebas, à ce qu'on m'a dit. Et maintenant, j'ai vu la statue de Zeus. J'ai vu Képhalonia depuis la statue de Zeus. Dis-moi... Est-ce toujours un lieu d'une grande beauté? Alors, c'est un lieu agréable où Képhalonia est pauvre, mais très belle.
l'île est splendide. De la statue de Zeus, on peut voir la mer battre les plages blanches et les montagnes couvertes de verdure. Mais les habitants souffrent à cause de la guerre. Ah, c'est bien ainsi qu'on me l'a décrite. Les dieux accordent leurs bienfaits à la terre, mais pas aux habitants. Même pour des dieux, les vôtres sont cruels, Mystios. Bon, je t'ai dit ce dont je me souvenais. Maintenant, parle-moi de toi. Que vient faire un Perse par ici ? Ouais, c'est la quête qui s'appelle Prince of Persia. Sont condamnés à être en opposition. Quand la prospérité règne ici, la Perse se porte mal. Et lorsque vous êtes en guerre entre vous... Les Perses sont en paix ? Oui. À la mort du roi Xerxès, mon peuple a mieux vécu. Tous, sauf moi. Un homme a tenté de me tuer en m'empoisonnant, ce qui m'a fait perdre la vue. J'ai fui et je suis venu ici. Personne ne peut vouloir sa mort. Je vois pas qui voudrait sa mort. J'ai du mal à croire que quelqu'un pourrait vouloir ta mort. C'est gentil à toi. Fais-moi un autre récit et je t'en dirai plus sur mon passé. Donc après l'année prochaine, je pense que je reviendrai pas le voir tout de suite. Je reviendrai le voir une fois que j'aurai tout vu. Donc j'aurai vu la statue d'Athéna, l'Acrocorinthe, le mont, Taygetos et l'oiseau en armure. Comme ça, j'aurai l'histoire entière d'un coup. Ça sera plus intéressant. Je reviendrai voir avec des histoires. Ou pour la vidéo. S'il te plaît, reviens dès que tu auras vu un de ces lieux. Non, pas celle-là. Je sais qu'il y en a une autre par là-bas. Là. Parce que, et surtout aussi en ce moment, je suis en train de... Là, ce que j'ai fait entre le moment où j'ai perdu la dernière fois sur le champ du combat et maintenant, c'est que j'ai essayé d'améliorer l'équipement que j'avais, récupérer du matos et tout, sauf que ben, j'ai le matos maintenant, j'ai les sous et tout, sauf qu'il me manque le fric. Ah oui, parce que pour avoir le matos, je l'ai acheté. Sauf que j'ai pas vu qu'en achetant le matos, bah, j'allais manquer de trucs. Le souci était là. Et après, je me suis dit, merde, je manque de fric. Je m'étais lancé une quête sans rien de particulier. Que je me suis dit, je peux la faire. Ouais, oh, t'as aidé. L'autre il veut m'attraper alors que je l'ai aidé. Qui tu disais ? Voilà. Donc maintenant, Odessa. Odessa est ici. Cassandra, je ne t'avais pas revue depuis que tu m'as emmenée voir les ruines d'Ulysse. Odessa, tu t'en souviens ? Naturellement. Tu m'as dit de rester chez moi, auprès de ma famille. C'est ce que tu fais, on dirait. Pas par choix. Tu m'as demandé si je voulais être heureuse ou admirée. Eh bien, prendre soin de mon père malade ne me rend pas heureuse. Prendre soin de mon père ne me rend pas heureuse. Et là, tu peux lui dire un truc qui a absolument aucun point. Ça n'a aucun sens, aucune logique de le dire maintenant. Ça me rend pas heureuse. Au lieu de lui dire ça a l'air éprouvant ou des trucs comme ça, tu peux lui dire que tu avais oublié à quel point elle était belle.
On va le faire. Je rencontre beaucoup de gens, mais je dois dire que c'est vraiment toi la plus belle. Oh, c'est vrai? Eh bien, tes paroles chassent un peu mes soucis. Ah bah c'est une bonne part. Ah bah ça passe bien. Je saurais te distraire pendant des heures. On pourrait peut-être parler. Si tu as un peu de temps, nous pourrions en profiter pour mieux nous connaître. À quoi penses-tu? Eh bien, à plusieurs choses, mais... Commençons par discuter un peu. Oui, ce serait... bien. Ah non, mais en plus, c'est que ça se lance bien. J'aimerais beaucoup. Mais je dois d'abord trouver plusieurs choses pour mon père. Si tu J'ai une décoction pour ton père, ça pourrait t'aller peut-être. Cette conversation. Et là, t'étais bien et tout, là. Paf, trouve-les toi-même. Voilà, j'ai pas envie. Ne t'en fais pas, je vais t'aider. Qu'est-ce qu'il te faut? Quelques herbes de la vallée du roi Lélex, près d'ici. Ainsi qu'une décoction à laquelle mélanger les herbes. Un marchand me la met de côté au marché. Ton père doit être vraiment souffrant pour que tu ne puisses pas y aller. Je suis sa seule enfant. Je préfère rester, au cas où son état empirerait. Qu'est-ce qu'il est, ton père, en fait? Tu sais de quoi souffre ton père? Non. Et son état ne s'arrange jamais. En tout cas, la décoction et les herbes apaisent ses souffrances. S'il meurt, tout ce domaine t'appartiendra, non? Oui, mais je le vendrai. Quelle meilleure raison aurais-je de tout laisser derrière moi et de vivre ma propre Odyssée? Quel est ton lien avec l'Odyssée? Pourquoi ce nom lié à l'Odyssée? Je suis une descendante d'Ulysse. L'Odyssée, Odessa. Ah oui, elle est convaincue quand même qu'elle est une descendante d'Ulysse. Hein? Reste auprès de ton père, je vais revenir avec les herbes et la décoction. Bah, la décoction, je l'ai déjà. Les herbes, je les ai pas encore. La vallée du roi Lélex. Elles sont au sud du forgeron. Je regarde la carte comme on l'a. Là, sud, ça fait cette zone-là. Ils sont près de la Trième Perse. Ah, la Trième Perse, ça doit être ça là-bas. Voilà. Voilà. Je me disais, c'est pas une Trième en état de fonctionner quand même. J'aurais vu. Non, c'est une Trième qui a été. Qui s'est explosée contre la. Écoute. Yep. Et comme j'ai déjà la décoction, j'ai pas besoin d'aller chercher la décoction. Et le forgeron. Attendez, juste directos là-bas. Hey. À mon avis, ça devait faire longtemps que ça appartenait aux Athéniens Mégaris. Tout est en bleu. Si avant ça avait appartenu à Sparte, je pense que ça aurait été en rouge avant d'être en bleu. Ou alors ils ont eu assez de temps pour tout recolorer en bleu. Il y a un papier sur lui. Ces hommes sont au service du dirigeant de Mégaris. Apparemment, Odessa leur a causé des ennuis. On convoite aussi le domaine de son père. Tue Odessa avant qu'elle ne cause davantage de tort à Mégaris. Quand elle sera morte, le domaine de son père nous reviendra. Ouais. Et c'est des bâtards.
Les herbes et la décoction n'ont rien? Tu les as, n'est-ce pas? C'est tout ce qui t'inquiète? On vient de nous attaquer. Tu dois avoir l'habitude. La contrée regorge de bandits. Que contient la lettre que tu as lue? Alors, des gens t'en veulent, tu causes des ennuis. Bah, d'un sens, des gens lui en veulent plutôt. Parce qu'on sait pas si elle cause des ennuis ou pas. C'est à toi qu'on en voulait, à toi seul. Pas à moi. Je n'en reviens pas. Apparemment, c'est lié au domaine de ton père. Ils veulent probablement vous en chasser pour se l'approprier. J'aurais pu mourir. Sans avoir eu l'occasion de me faire un nom, tout le monde m'aurait oublié. Arrête de penser à toi. Arrête de penser qu'à ta gueule. Voilà. Oh, envie d'avoir. Ouais, on va te protéger. Personne n'abîmera ce visage. Sans douleur, pas de gloire. Mais bon, on va pas se diriger vers ça, par contre. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais voilà. Si on trouve quelqu'un d'autre, on y va. Ah, c'est... Ça sera direct. Je n'en suis pas si sûr. Si tu m'emmenais à l'intérieur pour me faire souffrir un peu... Oh, j'adorerais, crois-moi. Mais cette nouvelle... Quelqu'un cherche à me tuer, après tout. Comment peux-tu penser au plaisir dans une situation pareille? Qu'est-ce qu'on va faire, maintenant? Eh bien, il faut agir. Crois ce que tu veux, mais je peux te montrer la vérité. J'ai juste besoin de ton aide. Ça ne m'étonne pas. Je te le dirai si je te l'accorde. Et donc, du coup... Tu es prête à apprendre toute la vérité sur ces événements? Bien sûr. Je le savais. Tu penses que ces gens m'en veulent, et tu as raison. Mais j'aimerais en avoir la preuve. La vérité apparaît toujours. C'est vrai. Et alors, je pourrais suivre les traces d'Ulysse. Oui, c'était aussi un grand amour. Non mais voilà, on va arrêter, on va pas faire que le choix cœur, hein, voilà. Je crois en toi. Tant que tu chercheras à atteindre la gloire, ton nom restera dans les mémoires. Peut-être qu'on mentionnera aussi ton nom dans les chants qu'on écrira sur moi. Si on veut découvrir la vérité, il nous faut un indice. Et le message que tu as trouvé, celui du dirigeant de Mégaris, il prépare quelque chose. S'il existe une preuve qu'il t'en veut, elle sera chez lui. Je peux aller voir. Tu ferais ça pour moi? Bah, il a l'air mort, en fait. Je le vois pas. Preuve. Bien. J'aimerais en finir avec tout ça. Ça se trouve, en fait, la dernière fois que je me suis tiré, je l'ai buté, en fait. Que fera-t-on quand on aura cette preuve? En supposant que je trouve ce que tu cherches. Ensuite? Ensuite, j'en parlerai à tout le monde. Le dirigeant ne pourra rien contre mon père et moi, quand on connaîtra ses projets. Je vais revenir avec la preuve, quelle qu'elle soit. Bien avec le dirigeant, bien avec le dirigeant. Hein. Je dois aller chez ce dirigeant pour en savoir plus. La vérité. Pour sa demeure bien gardée. Allez. Ne bouge pas. Allez, fais-toi bouffer. Oh putain. Moi par contre, tu me goûteras pas, héros. Héros, voilà. Il y a des limites, hein. Oui. C'est là. S'il existe une preuve, c'est ici que je la trouverai. Je vais devoir être prudente. L'endroit est bien gardé. Ouais. Mais vous restez cachés. Pourtant, un uniforme athénien
J'espère que la nouvelle arrivera aux oreilles des Athéniens. Ils apprennent. Malaka, elle a disparu. J'ai dû rester là. Le dirigeant de Mégaris voulait pousser Odessa à épouser quelqu'un. Un moyen idéal pour s'emparer du domaine de son père. Palmon sera un excellent parti pour Odessa. Sa famille est loyale à notre cause et il saura manier Odessa comme nous le désirons. Oh le bâtard! Oh l'espèce d'iconard! D'après cette lettre, Odessa a engagé d'autres mercenaires. Je me demande pourquoi. Mercenaires engagés par Odessa, nous avons fait une mauvaise rencontre. Récemment, Odessa a engagé Xénoclès, la hyène, pour se protéger. Il a été tué, mais ce mercenaire m'a coûté de nombreux hommes. T'inquiète pas, il y en a un autre là qui la protège. Il risque pas de se faire tuer, ce mec. Ah bah tiens, regarde, il a un mètre. Agis, destructeur de rien. C'est le moment où il ne veut plus, paf, il redescend. Ouvre l'œil, soldat. Qu'est-ce que tu vois? Rien vu, rien à dire. Dès qu'on l'a vu, je continue à chercher. Je sais qu'elle est ici. Il faut s'abriter. Allez hop, bouge. C'est de la bague, ça vient. Laisse-moi te buter. Allez hop. Votre roi. Hein, vous êtes vénère, hein? Vénère. Boum. Il est niveau 14. Ah ouais, il est niveau 14 et je suis niveau 13. Je ne te laisserai pas t'enfuir. Certaine. La voilà. Ah bah c'est clair que je me suis pas enfui là. Et j'ai accompli ma mission. J'ai buté le dirigeant. Au moins il va et posera plus de soucis. Agris, le destructeur de roi. Voilà! Voilà! Faudra plus de problème. Allez hop! C'est fini les problèmes! Bon, après, il y en a un autre qui va prendre la place et qui va foutre la merde encore.
Léonidas de Sparte et Thémistocle d'Athènes ont mené une force grecque contre l'armée de Xerxès Ier. Spartiate et les Athéniens se sont mis ensemble. Et là maintenant ils se battent l'un contre l'autre. Mieux vaut se méfier. Oh non, il n'est pas mort. Oh mais c'est pas grave, je l'ai retué. Cette lettre parle du domaine d'Odessa et de la nécessité de s'en emparer. Par tous les moyens nécessaires. Ouais. Je le sais. L'un des prétendants d'Odessa est mort mystérieusement peu après l'avoir rencontré. Oui, c'est elle qui l'a tué. C'est bon. C'est ça. Essayez de m'avoir, oui. Essayez donc. Non, j'ai pas assez de bois. Voilà. Donc il me faut des flèches, par contre. Un tas de flèches. Bon arc. Je peux améliorer quelque chose. Si ça, la maîtrise de l'archerie.
tout ce que tu sais faire. Regarde que ce que je sais faire. Boum! Eh oh, c'est pas du jeu là, vous êtes à deux là. Mais waouh, waouh, waouh. Mais j'ai trois types sur mes, sur mon cul. Ah ouais, c'est ça en fait, c'est que ça veut dire les trois symboles là. C'est plus t'en as, plus t'as de mecs sur ton cul en fait. Et en plus j'en ai un 14, 15 et 12. Celui qui a 12, il serait super. Ah, je le pense bien que tu la veux cette prime. Mais moi je veux pas. Mais du coup on se retrouve dans le prochain épisode avec mes trois chasseurs de primes qui me cherchent là. Je vais être dans la merde. Des bisous. Tell me why I'm falling. Oh, life's cold.